Son cérébral angelou central. 2014. Le spectre d'Ebola démenti par les autorités sanitaires. Aucun cas de fièvre hémorragique n'a été enregistré au Cameroun. Dans un instant, confirmation à l'hôpital La Quintini à Douala. Le spectre de l'insalubrité, Yaoundé, loin d'être la ville moderne rêvée, herbe folle, murs défrichis et or et eau usée dans le paysage des cités résidentielles. La rédaction tire la sonnette d'alarme ce soir. Le spectre de la violence qui plane toujours sur la Centrafrique, malgré la nomination d'un nouveau Premier ministre. Mahamat Kamoun ne fait guère l'unanimité chez les ex-Séléka qui menacent de rompre le cessez-le-feu. Voilà pour les titres. Une fois encore, bienvenue aux 20h30 sur la CIAR TV. La folle rumeur a semé la panique ce dernier week-end. Un cas de fièvre hémorragique Ebola aurait été enregistré à l'hôpital La Quintini à Douala. Le message téléphonique ainsi divulgué s'est avéré non fondé après vérification sur place à Douala. Les responsables de l'hôpital ont passé tous les malades en revue. Conclusion, au cours de la réunion convoquée ce lundi, aucun cas d'Ebola n'a été admis à La Quintini ni dans aucune formation hospitalière sur la place de Douala. Une rumeur pernicieuse également démentie ce même lundi par le ministre de la Santé publique, André Mamafouda, était sur la CIAR TV Radio ce midi. Constat sur place à Douala maintenant avec Dieudonné Noira de CIAR TV Littoral. Il n'y a pas de cas suspecté de fièvre Ebola à l'hôpital La Quintini de Douala. Jean de Dissongo, le directeur de cette institution hospitalière, l'a signalé ce lundi. C'est à la suite de cette folle rumeur qui a failli créer une psychose dans la capitale économique samedi dernier. Des messages téléphoniques qui confirmaient la présence d'un cas de fièvre Ebola à l'hôpital La Quintini et qui par la même occasion interdisaient aux populations toute consommation de la viande de singe, de porc et de chauve-souris. Même au sein de l'hôpital La Quintini, le personnel médical était très étonné et Jean de Dissongo a dû convoquer en urgence une réunion pour tranquilliser son personnel. Ce lundi, l'hôpital La Quintini a fonctionné en plein régime, pas de dysfonctionnement, aucune situation anormale qui pouvait créer la suspicion. Pas de cas de fièvre Ebola à noter dans cet hôpital et à Douala. La rumeur vient d'être démentie par les responsables de l'hôpital La Quintini de Douala.